Terima kasih telah menonton! Le salaire est la somme d'argent que le capitaliste paye pour un temps de travail déterminé ou pour la fourniture d'un travail déterminé. Alors là, de quoi est-ce que Marx nous parle Il nous parle de ce qu'on appelle euh, le travail abstrait. Le travail abstrait, c'est-à-dire du travail indéterminé, du travail indé interchangeable, euh, du travail euh, sans qualité. Euh, Quelqu'un qui peut euh, travailler à une tâche, puis passer à une autre ou même à une autre usine euh, sans, sans transition. Pour décrire l'activité humaine, le travail et l'emploi apparaissent comme deux termes interchangeables. De façon ordinaire aujourd'hui, c'est l'emploi qui est le plus souvent utilisé pour désigner le travail. Tra travail et emploi renvoient à deux conceptions qui, qui ne sont pas identiques, me, me semble-t-il. Dans, dans le travail, on, on voit quelque chose de, 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 de physique. On sent un processus euh, de, de, de l'ordre physique, de, de l'effort qui est consenti. Dans l'emploi, il y a déjà une forme d'institutionnalisation, du, du, du process de travail. Euh, la, la, la preuve en est, on dit souvent que le chômage est une invention. Si vous allez dans, dans, dans mon village au Togo, ben la, la, la notion d'emploi, elle va être relative. Puisqu'il y a des périodes où les gens ne font pas grand-chose, parce que les terres sont en, en friche, il faut les laisser se reconstituer. Et puis il y a des périodes où les gens vont travailler énormément. Et donc, euh, la notion d'emploi, de ce point de vue, elle va être euh, liée au mode ou au process d'institutionnalisation dans, dans la société. Alors, il y a un ancien directeur de l'Agence française de développement au Burkina Faso qui m'a dit une fois, Kako, euh, t'es producteur de coton euh, il ne faudrait pas les payer beaucoup parce que le... lorsqu'ils ne produisent pas le coton, ils ne, ils ne font rien d'autre. Et il me dit, il faudrait les utiliser, ces producteurs, pour euh, nettoyer les pistes rurales euh, pendant les périodes où ils ne cultivent pas. Bon. Et donc je lui ai dit, vous, pendant vos congés d'été en France, il faudrait vous utiliser pour aller nettoyer la Tour Eiffel, puisque vous ne travaillez pas pendant vos congés. Bon, il n'était pas très content, mais c'est quelqu'un qui était un coopérant français en Afrique qui n'avait toujours pas compris qu'une société a ses rythmes, a ses valeurs, a ses traditions et à sa conception du travail et à sa conception de l'emploi. L'emploi, c'est un échange entre je renonce à toute liberté, à toute prise sur ce que je vais faire, et en échange, j'ai une sécurité économique et physique minimale ou optimale. Et le champ de la justice sociale, le périmètre de la justice sociale, se restreint à des échanges de quantité. Il y a eu un débat qui retrouve une grande modernité aujourd'hui avec les débuts du terrorisme. Qui a parcouru la gauche politique et syndicale? On s'est demandé. Bon, nous avons des masses humaines entières qui sont assignées à un travail d'esclave. Ça a été montré magnifiquement par des artistes. Hein. J'évoquais Chaplin. On pourrait penser à Fritz Lang aussi. Ça, ça saisit ce, ce moment historique. Il y a un siècle exactement. On se dit, mais qu est -ce, quel monde est-on en, est en train de construire? Et disons, il y a eu deux réponses possibles. La réponse qui a finalement gagné historiquement et qui a donné lieu à la naissance de l'emploi, c'est de dire, eh bien, il faut ce, ce, cet euh, assujettissement à un travail privé de sens, c'est le prix à payer pour la modernité technique. Il y a une, une science de l'organisation du travail qui nous oblige à traiter les êtres humains comme des rouages et donc à les priver de l'expérience du sens dans ce qu'ils font. L'emploi, ça signifie généralement un job. Donc on travaille pour quelqu'un d'autre. Dans l'histoire de l'Europe, travailler pour quelqu'un d'autre était considéré comme une activité réservée essentiellement aux plus jeunes, à ceux qui n'étaient pas encore adultes. Ce n'était pas quelque chose que l'on faisait de manière continue, sauf l'apprentissage. Au Moyen Âge, tout le monde devait travailler chez quelqu'un d'autre, être serviteur, par exemple. Et cela, pas seulement pour les artisans, les agriculteurs ou les domestiques. Il y avait des nobles qui servaient la noblesse plus haute. Tout le monde, de haut en bas, devait passer du temps à travailler pour un autre. Ce qui était considéré comme un service est ce que nous considérons aujourd'hui comme un emploi. En allemand, il y a l'activité. L'emploi et le travail sont quasiment synonymes. L'emploi inclut l'activité indépendante libérale. On pourrait peut-être faire cette distinction entre le travail du travailleur indépendant et celui du travailleur salarié. Mais la distinction lexicale, idéologique, n'est pas très claire. Le travail, c'est le fait de travailler. L'emploi, c'est le fait de travailler dans un marché formel. Il y a un capitaliste, il y a un travailleur, il y a un accord professionnel formel selon lequel le travailleur va travailler 8 heures pour un salaire donné. Vendre des boîtes d'allumettes dans la rue, c'est du travail, ce n'est pas de l'emploi. Ce que l'on veut, c'est avoir un emploi. Voilà. Et on se préoccupe moins de la question travail. Euh, on veut, pour être dans la société, pour avoir des revenus, parce qu'on est stigmatisé lorsqu'on n'a pas d'emploi, eh bien, on cherche à avoir un emploi en oubliant la dimension travail, euh, ce que peut être la signification du travail que l'on effectue, ou bien les conditions de travail dans lesquelles on va réaliser cette euh, relation d'emploi. La définition de l'emploi de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, part du principe que quelqu'un qui est rémunéré plus d'une heure par semaine est employé. Pour moi, c'est une blague. Quelqu'un qui distribue les journaux le matin, on ne va pas me dire qu'il est employé. Ce n'est pas un travail qui lui permet de nourrir sa famille. C'est une astuce pour dorer la pilule. De plus en plus de personnes sont censées être employées, mais sont en fait au chômage. On les a éliminées de la statistique afin que les chiffres soient plus présentables. En Allemagne, le parti au pouvoir prétend qu'on est au plein emploi, mais ce n'est pas vrai. Nous entendons souvent parler d'emploi, tous les jours, en lisant le journal, en écoutant la télévision, parce que l'emploi auquel on fait référence là, ça n'est pas le travail, c'est l'emploi au sens macroéconomique. C'est-à-dire que ça permet effectivement de parler de euh, politique de l'emploi, niveau de l'emploi, etc., etc. Or, dans ce cas-là, on fait référence à quelque chose qui, si on réfléchit, n'est pas, à proprement parler, euh, un emploi individuel, mais une somme d'emplois. Du point de vue macroéconomique, euh, l'emploi, c'est une statistique. C'est euh, euh, le nombre de personnes qui, euh, à un moment donné du temps, euh, occupent euh, euh, une position, euh, ont euh, effectué un travail sur une période de temps donnée, par exemple. D'accord Donc, on dira qu'on est au plein emploi euh, s'il n'existe pas ou s'il existe peu de personnes qui euh, sont censées travailler, euh, cherchent un emploi à un moment donné du temps et euh, n'en trouvent pas. D'accord Donc, euh, ça, c'est l'emploi. Mais effectivement, ce n'est pas le travail. Alors, y a, y a il y a cette inversion lexicale qui, à mon avis, est un, Enfin, que je n'ai jamais pu m'empêcher de voir comme un symptôme du déni qu'opère la. Le, le discours de la théorie économique, le discours de la science économique, c'est que euh, dans la vie ordinaire, les gens demandent un emploi. Et dans la théorie économique, les salariés offrent du travail. Donc tout est mis par-dessus tête. Pendant l'ère industrielle, les conditions de l'emploi se sont codifiées et d'une certaine manière ossifiées. En mai 68, notamment en France, les salariés réclament plus de liberté et d'initiative. Si on a une forme de travail qui est en permanence interchangeable, une forme de travail qui n'a pas de qualité, qui est du travail sans qualité, du travail qu peut, que n'importe qui peut faire et qu'on peut aller faire n'importe où, finalement, il semblerait que ce travail-là, ça correspondait bien au temps industriel. Ça correspondait bien à une période qui va, je ne sais pas, euh, disons de, du début du 19e siècle jusqu'aux jusqu années 1900, 1960, euh, au moment où on va avoir à la fois une production et une consommation de masse. Et puis, on a eu tout un discours à partir des années 1970, euh, tout un discours autour de la différenciation du produit. C'est-à-dire qu'on ne va, euh, va plus produire des... Des, des deux chevaux euh, grises en série avec tout, toutes les mêmes options, mais euh, tout un tas de, 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 de produits qui vont être différenciés en fonction des goûts du consommateur. Et que ça ça va amener également euh, la différenciation des tâches de l'ouvrier. L'ouvrier va pouvoir être plus polyvalent. Euh, C'est tout le discours autour euh, non plus du taylorisme, euh, du travail parcellisé à la tâche, mais du Toyotisme. Euh, C'est-à-dire que les ouvriers vont pouvoir changer de tâche, on va avoir des contrôles de qualité, on va remonter la chaîne du travail, etc. Et puis, euh, avec l'arrivée des nouvelles technologies dans les années 80-90, on a encore un discours autour du, du travail qui se requalifie, au sens où euh, on va avoir besoin de personnes très hautement qualifiées qui vont pouvoir euh, appliquer leurs compétences à des outils complexes. Autour de 68, dans tous les pays occidentaux, mais particulièrement en France, où il y a eu quand même trois semaines de grève générale avec occupation d'usines, euh, il y a eu une remise en cause globale des règles du jeu taylorien-fordien dans les entreprises. Euh, et ce qui était intéressant, c'est que qu'à euh, émerger, sous le slogan par exemple de euh, « ne pas perdre sa vie à la gagner », une volonté de la part des, des travailleurs de pouvoir s'épanouir et se réaliser dans le travail, de pouvoir justement y mettre du sien tout en étant reconnu pour les qualités euh, qu'on mettait dans son travail. Et donc euh, les salariés, surtout les ouvriers, demandaient de la dignité, mais un peu plus d'autonomie, plus, plus de liberté au travail, plus de reconnaissance pour, euh, pour les qualités euh, mises dans le travail et la, la qualité de l'engagement. Et euh, cette révolte a vraiment traumatisé le patronat parce que euh, les, les directions d'entreprise, employeurs, étaient persuadés qu'ils euh, n'arriveraient pas à remettre au travail cette classe ouvrière aussi révoltée. Donc il fallait trouver un moyen pour euh, continuer à, à exploiter cette, cette main-d'œuvre avec leur consentement. Avec leur consentement. Et, et a émergé véritablement un nouveau modèle managérial qui s'est fondé sur... Euh, un socle très intéressant de leur point de vue d'employeur, de, c'est de procéder à une individualisation de la gestion des salariés et de l'organisation de leur travail. Et ça, c'était un véritable cheval de Troie, parce que, évidemment, ça permet d'inverser le rapport de force qui s'était manifesté de façon tellement défavorable, mais en même temps, le patronat a développé toute une rhétorique. Pour dire un petit peu comme De Gaulle disait à l'époque, je vous ai compris. Il a dit, nous avons compris ce que vous voulez. Vous voulez, vous les salariés, de la liberté, de l'autonomie, de la reconnaissance, de la dignité. Nous allons vous la donner. Mais ça passe nécessairement par une individualisation. Et donc, on a vu arriver toutes des séries de dispositifs apparemment anodins, comme par exemple euh, les horaires variables, hein, qui voulaient dire en fait une attaque. En règle des collectifs, parce que si on n'embauche on pas à la même heure, on ne prend pas les pauses à la même heure, on ne jeûne pas à la même heure, on ne sort pas ensemble. Donc ça déstabilise un peu les collectifs, de la même manière que la rotation des tâches, pour introduire de la variété. Euh, mais ça veut dire qu'on n'est plus côte à côte dans l'atelier euh, et qu'on n'a plus ce sentiment de partager un destin commun dans l'entreprise. Et puis après, il y a eu l'individualisation des primes, tout naturellement. Si vous voulez qu'on vous reconnaisse à vos réelles qualités, il faut bien qu'on distingue et on va récompenser ceux qui ont le meilleur engagement dans le travail, ceux qui sont les plus efficaces, les plus inventifs. Puis après, il y a eu l'individualisation des salaires. Et on sortait de cette équation à travail égal, salaire égal. Et du coup, c'est véritablement une explosion de l'identité commune de, de la classe ouvrière. Pour arriver avec ce fameux entretien de chaque salarié avec son supérieur hiérarchique, avec son N plus 1, au cours duquel chacun se voit fixer des objectifs personnels et puis au bout d'un an évaluer dans sa performance personnelle. Qui aboutit à ce qu'on peut voir maintenant dans les entreprises c'est euh, euh, à montrer-nous qui vous êtes, montrer-nous de quoi vous êtes capable, étonnez-nous, dépassez-vous. La difficulté sur laquelle butait le Fordisme, c'est que. Euh les joies n'étaient pas liées à l'exercice du travail lui-même, qui était euh, un petit peu moins pénible qu'à l'époque des mines, mais, mais pas beaucoup moins. Et évidemment, cette limite entraînait un, des effets sur la productivité que la crise du Fordisme, à la fin des années 60, au début des années 70, a commencé à rendre manifeste. Le capitalisme a surmonté ce problème en empruntant la voie de l'enrichissement du travail en affecte joyeux intrinsèque. C'est-à-dire en entreprenant de convaincre les salariés que la vraie vie, c'est la vie au travail. Que c'est au travail qu'on s'accomplit réellement. Que la réalisation de soi, c'est la réalisation de soi dans et par le travail. Bon, alors ça donne lieu à tout un tas de, de, de manifestations, de pratiques euh, qui oscillent entre le grotesque et le désolant, euh, autour des fausses promesses de l'autonomie. Euh, à base de euh, séminaires pour les cadres où euh, on les initiait à la pratique du rire ensemble, enfin, euh, et, et jusqu'à jusqu des extrémités tout à fait contemporaines, à faire dégringoler les yeux des orbites. Il y a maintenant une nouvelle sorte de dirigeant dans l'entreprise, une nouvelle place fonctionnelle hein, dans l'organigramme directorial de l'entreprise qu'on appelle le Chief Happiness Officer, c'est-à-dire le directeur délégué au bonheur. Donc voilà, on doudoune, on coucoune, on montre qu'on aime les salariés. Après, il y a une autre, euh, une autre partie qui est, euh, faut quand même pas rigoler quand on est employeur. Euh, euh, on veut séduire, on veut faire adhérer les salariés. On trouve ce moyen par le biais psychologique de les titiller, mais il faut quand même euh, qu'ils s'en tiennent à des méthodes qu'on trouve les plus efficaces. Et donc, il y a quand même tout un corpus de méthodologie de méthodes, de protocoles de process, de pratiques, des euh, bonnes pratiques benchmarkées, de reporting, tout ça est nécessaire et imposé à tous les salariés, qu'ils soient cadres, employés, techniciens, opérateurs. Et là, on voit qu'on rentre déjà dans des dimensions éminemment contradictoires au sein. Du modèle. Parce que d'un côté, on vous dit, euh, on compte sur ton intuition, ton intelligence, tu dois te dépasser, tu dois être excellent, montre-nous tout ce dont tu es capable. Et puis d'un autre côté, oui, mais alors attention, tu vas faire comme on va te dire, notamment comment ont pensé euh, pour toi les cabinets d'experts internationaux qui ont défini les procédures, les protocoles et qui vont te dire comment toi, quel que soit ton degré de formation, d'intelligence, tu dois travailler. Car évidemment, les fausses promesses tiennent à peu près quand tout va bien, par, par, par temps ordinaire. Mais dès qu'il y a une situation de crise, ce sont les enjeux vitaux du capitalisme. Qui font immédiatement résurgence, c'est-à-dire, bah oui, il va falloir relever la productivité, il va falloir fermer des sites, il va falloir baisser les coûts, il va falloir réaugmenter la rentabilité pour les actionnaires, etc., etc. Et tout ça va se faire au Knut, c'est-à-dire le chief happiness officer, euh, il la mettra en veilleuse pour un moment, ou alors il tentera de, de, de passer du beau mais de longs gants sur, euh, voilà, sur ce, sur sur ce désastre productiviste et financier. Il y a un autre élément et qui est complètement délétère. Pour obliger les salariés, quel que soit leur niveau, à accepter de s'en tenir à ces protocoles et ces process et ces bonnes pratiques, c'est un peu dans la visée de Taylor qui disait le savoir, c'est du pouvoir c'est une remise en question des métiers, des connaissances, de l'expérience des salariés, en les mettant tout simplement en obsolescence par le changement permanent. On pratique le changement permanent de telle sorte à ce que l'expérience devienne obsolète et que les salariés ne puissent pas se prévaloir légitimement de leur connaissance, de leur expérience, de leur métier pour dire ah non 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 le travail c'est pas comme ça que ça se fait moi je suis un homme de métier ou une femme de métier j'ai de l'expérience on va pas me faire ça comme ça parce qu'il se verra répondre ah oui mais ça c'était avant maintenant tout a changé. Aux États-Unis, dans les écoles, de plus en plus d'enseignants ont été appelés à suivre des indications précises sur ce qu'ils devaient faire, comment enseigner, comment traiter telle ou telle situation. Ils ne sont pas employés par des capitalistes, mais par l'État. On trouve là toutes les caractéristiques d'une relation employeur-employé dans une entreprise privée. La façon de travailler du secteur privé s'est répandue dans le secteur public. On fait ce qu'on nous dit de faire. En fait, notre capacité à faire usage de notre jugement avoir de la créativité a tendance à être combattu. On perd le contrôle, le pouvoir sur ce qu'on fait. Et l'idée c'est que les salariés se raccrochent euh, à toutes ces procédures, ces protocoles comme à des bouées de sauvetage parce que en réalité, ils sont dans un univers où tout bouge tout le temps. On, recompose, on, on restructure les départements et les services sans arrêt. On recompose les métiers. On change les logiciels. On externalise puis on réinternalise des activités. On impose une mobilité systématique euh, à la hiérarchie intermédiaire. On fait des déménagements géographiques pour que les gens ne se, re, ne se connaissent plus, ne connaissent plus leurs clients, les services dont ils dé, dépendent, etc. Et bref, tous les repères professionnels basculent et les salariés se trouvent plongés dans ce que moi j'appelle une précarité subjective, d'où cette fatigue, euh, ce sentiment d'épuisement qu'on appelle le burn-out, hein. il faut tout le temps recommencer, c'est jamais fini, et en plus un effondrement personnel qui vient du fait qu'on n'a plus confiance en soi-même. Le risque d'atteinte à la santé mentale euh, était pratiquement inconnu dans le monde de euh, l'industrie classique, justement, celui de... Ce qu'on risquait, c'est l'abrutissement. On est abruti, bon, mais ça ne vous rend pas délirant. Or, là, ce qu'on observe, alors là, le droit est un bon révélateur, les problèmes de santé mentale émergent dans le Code du travail français, je crois que c'est fin des années 80, début des années 90. On, on voit apparaître, il faut faire attention à la santé mentale. Bon, qu'est-ce qui se passe Alors, depuis, ça, il y a eu une montée en puissance, euh, les suicides au travail ne sont que la fameuse part euh, euh, émergée de l'iceberg parce qu'il y a tous les, les troubles, la dépression, les, euh, les... il y a tout un coup. Et des statistiques sont très impressionnantes. En, je crois que c'est en janvier 2018, les statistiques de l'assurance maladie en matière d'accidents professionnels en France, on voit une, une très légère baisse euh, des accidents déclarés hein, et maladies professionnelles. Et une multiplication par 7 des affections psychiques en 5 ans. Par 7 en 5 ans. Donc, euh, nous sommes face à des modes d'organisation du travail qui créent de la souffrance mentale enfin, dans toutes les organisations. Et ça, c'est quelque chose qui est construit comme une stratégie parce que moi, j'avais entendu dans les années 80, deuxième partie des années 90, un responsable de France Télécom, dont on sait ensuite euh, qu'est-ce qu'il qu qu en est advenu, me dire. Vous savez, Madame, quel est mon vrai boulot Je dis non. Dites-moi. Mon boulot, c'est de produire de l'amnésie. Ah, je dis bon, ça veut dire quoi Je suis là pour que, pour faire en sorte que les, les agents, puisqu'à l'époque c'est des agents, oublient les valeurs professionnelles, les valeurs de service du public, les règles du métier qu'ils avaient auparavant, parce qu'on va amorcer un virage commercial, qu'on va totalement transformer l'entreprise, et donc je veux faire table rase de, leur, de tout ce qu'ils ont dans la tête pour qu'ils soient réceptifs à toutes les nouvelles euh, manières de travailler qu'on veut leur voir prendre. Je dis oui, mais comment on fait pour créer de l'amnésie Il m'a dit madame, c'est très facile. Il faut secouer le cocotier en permanence. Je dis, ça veut dire quoi Bouger. Alors, à l'époque, il me disait les faire sortir de leur routine, de leurs habitudes, de leurs réseaux de complaisance. Il faut bouger les choses parce que de cette façon-là, ils seront perdus un peu et seront bien contents de nous écouter et de nous suivre quand on leur dira comment il faut travailler. Est-ce que le travail aujourd'hui a été une montée en compétences Est-ce qu'il a été une montée en polyvalence Eh bien peut-être pas, en fait. Euh, peut-être que euh, les, nouvelles technologies, euh, les nouvelles technologies, le travail qu'on doit leur appliquer, soit il est inexistant, puisque ce sont des algorithmes qui vont produire le travail, soit finalement euh, il est du pur travail abstrait, c'est-à-dire n'importe qui peut le faire n'importe qui peut faire des PowerPoint avec euh, euh, pour préparer la prochaine réunion de brainstorming où on parlera de la réunion suivante euh, qui aura trait à euh, comment on pourrait faire pour améliorer les process donc une réunionite sans fin si vous voulez avec un travail complètement interchangeable qu'à peu près n'importe qui qui aurait le bac pourrait faire en gros euh, et ce travail finalement euh, il devient pratiquement dénué de sens. Hein. Donc on en vient à une, une idée selon laquelle euh, bien on, on ne voit pas à quoi il sert. On ne voit pas à quoi il sert, probablement parce qu'il ne sert à rien. Et on est peut-être arrivé, malgré tous les discours autour de la montée en compétence, on est peut-être arrivé à la forme pure du travail abstrait. C'est-à-dire du travail qui ne sert plus à rien, qui ne produit rien, et finalement qui est seulement comptabilisé. Comptabilisé, comme nous le disait Marx, en temps. Où on tâche le néolibéralisme promeut une forme d'emploi à la fois archaïque et nouvelle l'auto entrepreneuriat les salariés se transforment en micro entrepreneurs à la relation salariale peu à peu se substitue une relation strictement commerciale le mouvement justement général de, du capitalisme, euh, c'est de partir d'une situation où les gens étaient auto-entrepreneurs. En tous les cas, une bonne partie de gens. Vous aviez dans un pays comme la France, euh, la majorité de la population était soit des petits paysans propriétaires, soit des petits commerçants, soit des petits artisans, etc. Bah, les lois de la concurrence euh, ont balayé tout ça. Les lois de la concurrence ont fait disparaître tous ces gens-là. Euh, même en France, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on a encore une paysannerie ou des petits commerçants euh, qui sont extrêmement nombreux. Euh, Promenez-vous aujourd'hui dans les campagnes ou dans un centre-ville français, il euh, n'y a, a plus que des salariés. Hein, enfin, où il reste encore euh, quelques-uns, mais c'est une survivance. Alors l'idée qu'on va euh, évoluer à l'avenir en en, comment dire, en rétropédalant et en réinventant une classe de petits propriétaires, etc., euh, je pense que c'est une, une douce utopie. Enfin... Euh, douce, euh, j'en suis pas certain, utopie, j'en suis sûr. Euh, D'ailleurs, en réalité, qu'est-ce qui se passe euh, Les auto-entrepreneurs, c'est des salariés déguisés. Hein, et on le voit très bien avec les grèves euh, de livreurs là, qui ont commencé à éclater un peu partout, ou les chauffeurs de, de chez Uber euh, qui, euh, qui se sont mis en rogne. C'est qu'en réalité, ils sont formellement des travailleurs indépendants. En réalité, ce sont des salariés euh, pieds et poings liés euh, à leur grand honneur d'ordre. Aujourd'hui... Euh euh, on assiste à un processus d'ubérisation. Il y a des pans entiers de l'économie qui sont menacés par cette ubérisation-là. Airbnb menace l'hôtellerie classique, euh, les chauffeurs Uber menacent les taxis traditionnels, par exemple, et on entend beaucoup parler des, des, des effets euh, désastreux de ça. Mais en réalité, pourquoi est-ce que ça fonctionne ben, Ça fonctionne parce que euh, les acteurs de ce jeu-là ils acceptent d'y jouer en permanence. On va euh, évaluer euh, notre chauffeur euh, Uber grâce à l'application, c'est marrant. On va commander un taxi quand on veut, à 3h du matin, euh, euh, alors qu'il n'y euh, euh, a, a pas d'autres transports disponibles. Donc on veut, euh, au lieu de, de, euh, de faire en sorte de, de rentrer chez soi par les transports en commun, bah maintenant on sait qu'on peut compter sur Uber, etc. Ça nous amène tout un tas de services et on les utilise tous les jours. Donc il y a une adhésion en fait, euh, permanente de tous les individus à ce système. Même si ces mêmes individus qui y adhèrent à court terme par ces actes-là, hein, nos achats chez Amazon, euh, notre commande d'Uber, etc., même si ces mêmes acteurs-là, ils finissent par dire avec un peu plus de recul, ah mince, ça détruit euh, la société, ça détruit des pans de l'économie, ça pose des problèmes n'empêche qu'ils y adhèrent. On présente comme un progrès le fait d'aller vers une forme d'articulation un peu commerciale entre des entreprises, d'ailleurs réduites du coup à un cercle de managers un peu étroit, et puis une, toute une population de travailleurs indépendants qui courent le cachet, qui sautent d'une tâche à une autre, qui passent d'un contrat ou d'un projet à un autre. Ça, cette évolution-là, elle est possible. Pour une partie, elle, elle, elle attrape quelque chose que euh, on, beaucoup de gens souhaitent. Je, je vois bien à travers mes enfants, dans la jeune génération, une certaine mobilité, une certaine. Mais pour une autre partie, elle est absolument catastrophique et surtout, elle loupe euh, ce qu'il y a de plus. ce que je perçois de plus, de plus, de plus intéressant dans les, les, les nouvelles dimensions du travail, la dimension coopération, coopération et la dimension innovation. Sinon, la tendance naturelle, je dirais la paresse, et ça, ça ne nécessite pas beaucoup de créativité, c'est de continuer vers cette espèce de démiettement de la relation salariale avec constitution d'un groupe, certes, qui ne sera jamais majoritaire, mais de plus en plus euh, important, de salariés qui sont de, de, de faux indépendants, de faux salariés. Euh, le statut d'autre entrepreneur, qui finalement ne met plus du tout en relation euh, un employeur et un employé, mais finalement euh, deux entrepreneurs, eh bien ce, ce statut-là... Euh, il est euh, une sorte d'aboutissement euh, d'une du, du, théorie euh, ou d'une vision plutôt néolibérale du travail, parce que euh, on, on va étendre vraiment le, le mécanisme de la concurrence. D'accord L'entrepreneur, le, 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 au lieu d'embaucher quelqu'un et de lui donner un statut pendant un certain temps, en fait, euh, il va faire appel à un autre. Entrepreneur Qui va être poussé à faire le travail mieux qu'un euh, qu qu troisième entrepreneur euh, qu'on pourrait prendre si on n'était pas satisfait euh, du travail qui a été fait par le premier. Donc en fait, euh, la concurrence entre euh, les travailleurs est beaucoup plus forte s'ils ont ce, ce, ce statut d'auto-entrepreneur parce qu'ils vont tous essayer de faire euh, le travail eux-mêmes euh, au coût le plus bas. Euh, ce monde un peu euh, euh, néolibéral euh, que, que j'évoque, il est nettement plus vrai et peut-être aussi violent pour une partie euh, des salariés qui ont peu de compétences à faire valoir, dont finalement le, euh, le, le, le job pourrait être fait, j'ai envie de dire, par n'importe qui. Euh, et effectivement, pour ce type de travail-là, les entreprises vont euh, euh, probablement euh, vouloir se passer de la main-d'œuvre permanente et puis avoir recours à, euh, euh, à des contractuels, à des auto-entrepreneurs, euh, pour tout un tas de raisons. Il n'est pas peut-être intrinsèque au capitalisme d'avoir les salariés dans l'entreprise. C'est peut-être encore mieux. Quand la relation entre avec les salariés est une relation commerciale. Alors vous voyez, tout ça rend un peu dubitatif quand on décrit un certain nombre d'évolutions en cours. Et peut-être que un des enjeux euh, actuels, un des grands, voilà, une, un des grands clivages devant lesquels nous sommes aujourd'hui, c'est là, dans les 10 ou 20 prochaines années, dans le système néolibéral de fonctionnement du marché du travail que nous connaissons, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on va de nouveau faire sortir une part importante des salariés de l'entreprise Ou au contraire, et vous allez deviner quel scénario je privilégie, ou au contraire, est-ce qu'il faut renforcer, consolider, constitutionnaliser la présence des salariés dans les entreprises en leur donnant toute leur place dans le gouvernement de l'entreprise. Encore une fois, euh, l'avenir et l'avenir selon Marx, c'est pas des auto-entrepreneurs, c'est au contraire que euh, l'économie mondiale devienne une seule grande coopérative, Ce hein. c'est pas de revenir à l'émiettement qui précédait le capitalisme. Au contraire, euh, Marx reconnaissait un rôle progressiste au capitalisme, il dit il a construit une économie mondiale, il a interconnecté toutes les toutes les économies nationales, il a mis fin à l'isolement euh, des provinces, il a mis fin à L'idée de Marx, c'est pas qu'on revienne en arrière à de petits producteurs euh, émiettés, c'est pas qu'on fasse tourner de la roue de l'histoire à l'envers. C'est au contraire qu'on aille de l'avant et qu'on parte de cette base euh, socialisée euh, d'une économie collective en réalité que le capitalisme a mis en place. Ce qu'on observe, c'est que le, le, le jeune qui se met à son compte, ou bien ça marche très bien, ou bien ça marche pas. Si ça marche très bien, je ne sais pas, il va se mettre dans je ne sais quel service, informatique, jeux vidéo, je ne sais pas quoi. Si ça marche très bien, pour faire face à la demande qui va venir vers lui, il va devoir faire appel à d'autres. Et donc, par la force des choses, ben, il devient un petit patron. Et puis si ça ne marche pas bien, ben, il va devoir travailler pour d'autres. Donc on voit euh, réapparaître sous des formes, on peut essayer d'éviter la qualification de contrat de travail, mais enfin, volens, nolens, on retrouve des formes de communauté de travail organisée avec un principe d'une certaine hiérarchie. L'évolution économique contemporaine porterait-elle en elle la disparition du travail salarié tel que nous le connaissons Certains économistes le pensent fortement, d'autres demeurent beaucoup plus sceptiques. En tout cas, avec la robotisation et l'informatisation, l'avenir de l'emploi est en jeu. Les trois unités euh, unité de temps, unité de lieu et unité d'action qui définissent le travail dans le capitalisme sont euh, mises à rude épreuve par les différentes innovations qui, auxquelles nous, nous sommes confrontés à l'heure actuelle. Euh, le télétravail est quelque chose qui se développe, je vois dans des institutions comme la Banque mondiale. Aujourd'hui, de façon très claire, vous pouvez travailler à partir de chez vous. Et une fois tous les deux mois ou tous les trois mois, vous allez au siège de la Banque mondiale. Mais vous restez salarié de la Banque mondiale parce que vous avez Internet et, 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 et vous n'avez plus besoin d'être physiquement présent pour travailler. La question de l'unité de temps. Travailler 8 heures par jour, pour un chercheur, ça ne veut rien dire. Parce que vous pouvez travailler de minuit à 4 heures du matin, parce que vous êtes plus productif, et puis dormir de 9 heures à 13h. Bon. Et ainsi de suite. Donc les innovations technologiques nous poussent à, à repenser euh, le consensus Fordien, euh, Taylorien-Fordiste. Euh, qui disait finalement qu'il y a trois unités qui définissaient le travail. Personne ne sait ce qu'il adviendra avec les changements massifs en termes d'intelligence artificielle. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand j'ai commencé à travailler à l'université dans les années 70, on avait un petit département d'une douzaine ou quinzaine de membres. On avait deux secrétaires. 35 ans plus tard, il n'y en avait plus qu'une. Une grande partie du travail que faisaient les secrétaires était effectuée par un membre du personnel. Chaque professeur avait son ordinateur et faisait ce que les secrétaires faisaient avant. J'ai fait une estimation. Il y avait eu probablement 100 pertes de postes de secrétaires à cette époque-là. J'ai ensuite regardé le nombre d'employés au département des technologies de l'informatique. Il y avait à peu près 100 personnes. Donc un type de travail avait été remplacé par un autre type. Ce n'étaient pas les mêmes personnes, mais le nombre d'emplois n'avait pas baissé.

Actuellement, on s'interroge beaucoup pour savoir s'il y aura encore du travail ou si une bonne partie sera réalisée par l'intelligence artificielle, des robots ou autres technologies. Alors, que reste-t-il pour les humains Quel travail vont-ils faire une autre question revient régulièrement, quel temps de travail est nécessaire C'est une idée qui circule beaucoup aujourd'hui. 8 heures par jour, une semaine de 40 heures, ce sont des choses apparues historiquement. Ce n'est pas une loi naturelle, c'est un construit historique, c'est tout à fait réversible. Aujourd'hui, c'est une question beaucoup discutée. Beaucoup de scientifiques affirment que 15 heures de travail hebdomadaire seraient largement suffisantes ça libérerait les humains pour d'autres activités. On pourrait faire les choses de façon très différente. Même en réduisant le nombre d'emplois, il y a une autre manière de gérer ça. On n'est pas condamné au chômage de masse. On peut simplement réduire le temps de travail. Historiquement, pas dans l'histoire récente, mais depuis 200 ans, il y a une énorme réduction dans le nombre d'heures que la plupart des gens travaillent chaque jour. Nous, on a l'impression qu'on travaille très longtemps, etc. Mais pour un travailleur en usine, si on compare la fin du XXe siècle et la fin du XIXe, il y a une réduction énorme. Et c'est du progrès. Nous pourrions transformer la nature du travail si nous, First of all, chose, si nous le voulions vraiment. Une grande partie pourrait être éliminée. Une de nos difficultés est d'imaginer quels emplois pourraient disparaître. Et, Aussitôt, on se dit, oh mon Dieu, ce sera un problème. Qu'est-ce qui va se passer dans la construction, dans les usines Les gens n'auront plus rien à faire. Dans notre système économique, la diminution du travail pose un problème parce que ça suppose de le redistribuer afin que chacun ait sa part et puisse consacrer son temps à d'autres activités.

Je souhaite que nous allions vers un monde tel que nos grands-parents l'imaginaient quand ils travaillaient dans les usines. Ils imaginaient que leurs petits-enfants n'aient pas à travailler si dur. Ils pensaient que l'avenir les libérerait. Alors que c'est possible aujourd'hui, au lieu de fêter ça, on se demande, mais qu'est-ce que nous allons faire Marx avait imaginé que dans une société communiste, le matin par exemple, on allait chasser. L'après-midi, on pouvait travailler dans les champs ou pêcher et le soir faire des critiques politiques. Là, tout le monde serait libre et aurait un développement complet. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, ça paraît impossible à imaginer à cause des problèmes qui se posent. Mais nous sommes convaincus qu'avec le développement de la société, à un certain moment, on n'aura plus besoin de tant de monde pour travailler. Aujourd'hui, on a déjà remarqué que dans le monde entier, du point de vue de la force de travail, 10% environ de la force de travail suffisait à produire les biens dont on a besoin. On peut imaginer une autre situation que celle imaginée par Marx à son époque. 5 ou 10% des gens travaillent et 90% des autres ne sont pas obligés de le faire. On peut consacrer 5 à 10 de notre temps à travailler et tout le monde peut avoir du travail. Mais dans le mode de production capitaliste, ce n'est pas possible. De plus en plus, le travail pénible des périodes antérieures est confié à des machines, et dans une perspective plus longue, les personnes qui les créeront seront des ingénieurs. Mais il faudra encore de la main-d'œuvre pour produire le fer, le plastique, les câbles assembler les robots. Aujourd'hui, ceux qui construisent ces robots sont intégrés dans les entreprises, mais leur travail est accaparé par les propriétaires des machines et des techniques. Alors comment parvenir à faire que les gens continuent à tirer un revenu de ces robots La répartition des profits va être la plus grosse question pour l'État-providence, car le capital va devoir être taxé. Et à partir de là, probablement, un revenu universel devra revenir à tout le monde. Je ne trouve pas ça surprenant qu'on soit en train d'en discuter. Beaucoup de jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à trouver un emploi régulier. Ils n'ont que des petits boulots précaires. Est-ce que cela va leur permettre d'ouvrir des droits à la retraite Qu'est-ce qu'on va taxer Est-ce qu'on va taxer le travail humain ou est-ce qu'on va taxer le travail robotisé et comment taxer ce travail-là Ça, c'est des questions très importantes. Un revenu universel sans condition c'est peut-être un point très important. Les gens qui y sont favorables partent du principe que les humains vont continuer à être actifs, à être productifs. Ils vont continuer à travailler, mais pas nécessairement pour un revenu comme gagne-pain. C'est pour ça que l'idée de revenu universel sans condition est peut-être la manière de redéfinir l'avenir du travail. Alors, est-ce que le travail humain, est-ce que le travail de l'être humain est encore nécessaire au capitalisme ben, On peut se poser euh, sincèrement la question. Et c'est là que l'inquiétude sur les peut-être les dizaines de millions d'emplois menacés à la fois par les algorithmes et à la fois par la, les robotisations se pose. Ce qui amène effectivement euh, la question de... Ben, qu'est ce qu'on va faire de tous ces emplois? bien sûr qu'est -ce, que, qu ce que ça va pouvoir qu'est -ce, que, qu ce que les gens vont faire? d'où l'idée d'où les idées théoriques aujourd'hui qui émergent autour d'un revenu universel euh, de, des taxes sur les robots euh, ou de réduction des inégalités tout simplement ou de la fiscalité tout simplement hein, de, la, de la progressivité plus importante de la fiscalité qui, permet de qui permettrait de redistribuer euh, les richesses créées à des gens qu'on ne pourra plus faire travailler, peut-être, probablement, puisque, euh, à part les emplois de service à la personne, euh, le nombre et des emplois très qualifiés, des emplois salariés très qualifiés, euh, il n'y aura peut-être quasiment plus d'emplois tels qu'on les connaît aujourd'hui. Après le travail et l'emploi, un troisième élément interroge notre quotidien, le salaire. Marx pensait que le salaire était un moyen contraignant l'homme libre, le paysan, l'artisan, à venir travailler dans les manufactures. Aujourd'hui le salaire a changé de statut.